Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carnet de Rando. Alors, pas d'Ardèche aujourd'hui, je me trouve dans les Aravis pour la première de notre rubrique, la Rando des Membres. La Rando des Membres, rappelez-vous, c'est le jeu que je vous avais proposé au début de l'hiver pour gagner le tournage d'une randonnée que vous aurez choisie. Et la gagnante de cette première édition, c'est Muriel, ici présente, qui nous propose une randonnée au Roc des Tours. Alors bonjour Muriel. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? D'où est-ce que tu viens déjà? Voilà, donc je viens au départ de Belgique. Là, en l'occurrence, je suis venue du nord-est, donc de Thionville. Tu as fait 600 km pour venir faire le tournage? Tout à fait. Bravo. Merci. Et tu nous proposes, alors pourquoi le Roc des Tours? Ben, en fait, c'est vraiment une chouette région déjà, pour commencer, que j'adore, que je viens régulièrement. Mm-hmm. Et puis bon, le Roc des Tours, ça permet vraiment, par beau temps, d'avoir une vue d'ensemble sur toute la chaîne des Aravis, entre autres. Et puis en principe, on peut voir aussi la chaîne du Mont Blanc. Bon, là aujourd'hui, c'est un petit peu compromis, je pense, mais bon, on verra. Ouais, mais le beau temps a l'air d'être avec nous, on a l'air d'avoir un peu de chance. Allez, bah c'est parti. C'est parti. Allons-y. Nous partons de l'hôtel L'Alpage au Chinaillon. À cette époque de l'année qui succède à la saison d'hiver, le village semble avoir été déserté. Nous montons vers les hauts de Samance, où démarre la piste menant au col et au lac de Lessie. Franck Merlot s'est joint à nous pour cette sortie. Franck, je vous l'avais déjà présenté dans le premier numéro de Carnet de Rando, à l'occasion de la sortie de Rando Live et de la traversée de la Chartreuse. Nous empruntons le sentier découverte de la Godinière, ponctué de panneaux pédagogiques sur le milieu montagnard. Contrairement aux prévisions données, la météo nous semble favorable. Alors on avait peur de trouver la pluie, mais finalement c'est un grand soleil qui nous accueille aujourd'hui sur les Aravis, avec des belles portions de ciel bleu. Tout ce dont on avait besoin d'ailleurs, je crois que je vais enlever une couche. Avec ce beau temps, la nature est éclatante. Les premiers crocus se multiplient, les populages des marais frémissent dans l'eau des torrents et les bouquetins un peu farouches broutent sur des versants herbeux. Nous longeons les falaises de Samance sur un petit sentier rendu boueux et glissant par la pluie. Une belle vue sur la vallée et le mont Lacha de Châtillon nous y attend. Vers l'est, c'est le col de la Colombière, encore fermé à la circulation. Encore quelques mètres au sec sur le sentier et le calcaire, et il faudra commencer à se mouiller les pieds. Alors ça y est, on attaque notre partie un peu les pieds dans la neige. Hein. C'est pas qu'il en reste beaucoup, mais ce sont des zones où elle a tardé un petit peu à fondre. Il se pourrait qu'on en trouve vers le sommet. C'est pour ça que vous voyez, on a quand même les raquettes, par précaution, dans le sac. Les balises du GR deviennent de moins en moins visées. La neige se fait, elle, de plus en plus profonde. Il va être temps de chausser les raquettes. Bon alors j'espère que je ne me suis pas trop avancé parce que ça se couvre un petit peu là autour de nous. Il commence même à tomber quelques minuscules flocons. Les nuages ont entouré les sommets à une vitesse surprenante. Lentement, le brouillard s'épaissit en remontant le long des versants et les Aravis disparaissent derrière un écran de fumée. Nous faisons notre trace dans une neige inconsistante et humide. Depuis le Chinaillon, il y a exactement 634 mètres de dénivelé à parcourir jusqu'au sommet. À l'approche du col de Lessie, la visibilité devient quasiment nulle. Pourtant, il suffit d'un coup de vent pour renverser en quelques minutes la situation. Comment ça se passe cette randonnée, Muriel? Ça passe bien, là, j'ai un peu de mal sur la... Tu te souvenais que c'était comme ça, cette montée? C'est pas pareil l'été, hein. C'est avec la neige là, qui est lourde comme ça et tout, les pas sont lourds et donc on souffre un petit peu. Mais on progresse plus vite aussi en raquette, quand même. Le sommet qui tout est relatif, hein. Qui est juste là-bas. La croix du sommet est maintenant bien visible. À 1887 mètres, au niveau du col, le soleil est quasiment revenu, nous autorisant un premier beau tour d'horizon. Donc nous arrivons au col de Lessie. C'est là qu'il va falloir
partir à gauche en direction du sommet du Roc des Tours. Si vous allez à droite, vous irez en direction de celui de l'Aiguille Verte. Donc tu me disais, ce sont les crêtes du Jura. Vraiment tout à l'arrière-plan. Qu'on voit là-bas. Tu vois là-bas encore, ça, c'est encore le plateau un tout petit peu de neige. Plateau des Glières, oui. Ah, le plateau des Glières. Voilà. Ah, ça rappelle des souvenirs. De ski de fond, en fait, ici. Ah, les premiers carnets de rando ont été tournés au plateau des Glières. Toujours avec Franck Merloz. La dernière partie de l'itinéraire s'effectue à travers le grand lapia incliné qui marque le sommet du Roc des Tours. Un véritable dédale dans lequel un sens aigu de l'orientation sera exigé. De plus, à la fin de l'hiver, en raison de la présence encore abondante de la neige, il sera recommandé la plus grande prudence afin d'éviter quelques profondes crevasses dissimulées sous des ponts de neige précaires. Une gymnastique aussi épuisante qu'amusante. Donc comme dans toute zone karstique qui se respecte, surtout avec de la neige, c'est un véritable labyrinthe pour s'y retrouver. Alors, l'idéal c'est de suivre les marques rouges qu'il y a de manière régulière sur les rochers, qui indiquent le passage d'été. C'est encore la méthode la plus simple pour éviter de se retrouver en face d'une crevasse. Les derniers mètres se font à vue en direction de la croix sommitale. Derrière nous, les sommets du Buclon et du pic de Jalouvre sont réapparus. Le panorama promet d'être spectaculaire au sommet. Déjà, la pointe percée se distingue à travers les nuages, ainsi que le mont Lachat de Châtillon et la longue arête de la pointe d'Almay. Nous touchons au but à 1994 mètres d'altitude. Le Roc des Tours. Ouh. Ah, le lac Léman. Côté ouest, la vue est tout aussi exceptionnelle, qui ouvre sur le Val d'Entremont, la montagne des Auges et le plateau des Glières. En dessous de nous, le village de Chinaillon, notre point de départ. Et tout autour, les sommets élancés de la chaîne des Aravis. Bon, pas trop dur cette ascension? Un petit peu, par moment, mais ça va. Ça va? Ouais. Je pense que la descente va être plus difficile en fait. Il y a moyen qu'on rigole un peu, ouais. On va faire quelques bonnes glissades. La pluie et la grêle finissent par nous rattraper peu avant le Chinaillon. Il était vraiment temps d'en finir. Alors nous voilà revenus dans le confort de l'hôtel L'Alpage. Alors cette rando des membres, Muriel, qu'est-ce que tu en penses? C'est plutôt à toi que je dois demander ça, vu que tu connaissais pas la région, on va dire. Eh ben moi je me suis régalé, on a eu tous les temps. Hein. On a eu le soleil, on a eu la pluie, on a eu la neige, on a eu le brouillard. La fin était un petit peu épique, on a bien rigolé, on a passé un bon moment. C'est une belle balade avec un belvédère absolument splendide. Franchement, au sommet, pour un accès relativement facile, même si les conditions d'enneigement aujourd'hui encore ne facilitent pas l'ascension et surtout la descente, hein, comme on a pu le voir. Quelques glissades. Voilà. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est toi, l'ambiance tournage carré de rando, alors est-ce que tu recommandes ça au prochain? Oui, franchement, c'était super sympa. T'as passé un bon moment? On a bien rigolé, en plus. On a bien rigolé. Vous verrez ça dans le bêtisier. Franck viendra pas à tout. On a un peu souffert, mais on a bien. Un petit commentaire, Franck? Non, c'était très sympa. Moi, je connais bien le coin, je connaissais pas la rando. Et t'es un habitué des tournages également, quoi. Voilà, donc si vous voulez, comme Muriel, participer au tournage de la prochaine rando des membres, pensez à vous inscrire sur la page Facebook, vous proposez votre itinéraire. Ensuite, un sondage permettra peut-être à celui-ci d'être élu et vous partirez avec moi en tournage le mois prochain. D'ici là, bonne randonnée à toutes et à tous, et à bientôt !